Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus d'Assassin's Creed Odyssey. Alors, regardons un peu la map, voyons voir ce qu'on a. Ça c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est le docteur de la dernière fois, on devait donner les remèdes à un mec. On va faire ça, après on va regarder un peu la carte. Et voir où on va. Un chasseur m'a dit que tu attendais ceci. Ah, c'est ce qu'il me fallait. Voilà pour ta peine, Mystios. Mille quatre-vingt-huit, c'est ouf, quoi. Par contre, j'ai vu que je pouvais sauter sur les ennemis, en fait. Depuis le cheval. Enfin non, je peux pas sauter en fait, c'est mon attaque de loin quand ils m'ont pas repéré avec le point jaune. Enfin bref. Regardons la carte un peu. Alors, ce qu'on a à faire ici. Donc ça c'est l'autre bout de rive en fait, le mont Oki. C'est l'endroit en fait que je voulais finir. Mais on n'a pas fait parce que bon, ça prenait un peu trop de temps. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire ce qui nous manque. Ça a l'air d'être une grande forêt, une grande montagne, ça. On peut pas bouger les gens de zoom. Non, on peut pas. Ce que je voudrais bien voir le relief dans. Encore une fois, hein, je vais toujours citer les mêmes. Hein. Dans Death Stranding, on pouvait voir le relief des cartes. Ça aide. Allez! Allez. Ça aide surtout que bah après sur Death Stranding il faut bien planifier sa route et tout ça. Donc le fait de voir le terrain ça aide. Mais bon voilà quoi, c'est hein. Petit détail comme ça. Ça serait pas mal. Lac d'Hera. C'est pas bon signe ça, Hera. Wow! Ah, j'ai un mauvais senti. Mais mauvais souvenir des putains de sangliers. Très bien. Oh là là. J'avais dit que c'était mauvais signe, Hera. J'avais raison. Maintenant, on a le mont là-haut. Toi, t'es à 200 mètres. Toi, t'es loin. Après on peut retomber là-bas. On peut, ouais, on peut faire le... Donc oui, la dernière fois on avait augmenté la lance de Léonidas. Ça nous permet d'avoir des niveaux 2 maintenant en habilité, vraiment cool. On a 6 barres. Temple d'Artémis. Ouais, 6 barres d'adrénaline. Donc, ouais, niveau combat, on est bien là.
pas mal. Ok, maintenant on a le mercenaire qui se balade. S'il se balade, on va pas aller le chercher, on s'en fout un peu. Ça, c'est des soldats d'Athènes. Ouais, on va aller là-bas. Ça prend une barre d'adrénaline le fait d'attaquer ou pas? Normalement ils sont pas vénères. Mais juste c'est pas une zone interdite, c'est juste un camp. Licorne, regarde-moi ça. Ça fait des traces lumineuses et tout, c'est magnifique. Je vais devoir faire très attention par ici. Ah. Allez, mec. Chut. Ah putain, les mecs ils se regardent l'un l'autre. Bon, on peut tout simplement partir en fait. C'est bon, je me casse. On avance vers de nouvelles aventures. Donc oui, on finit ça. Et après, on essaye de revenir à la première île, là où on avait vu le triangle, le symbole triangulaire, là. On va voir ce que c'est. Sûrement un gros combat. Je pense pas qu'on va pouvoir y arriver. On a trouvé déjà un cyclope la dernière fois. T'es niveau 45, je crois. Ouais. Et on est obligé de partir. Hein. Hôtel de Poséidon. Ok, une tablette. Ah, les mecs qui réagissent pas quoi. Ah si. Très bien. Ah tiens, ça nous dit plus si on est dans une zone... On est une zone interdite ou pas maintenant. C'est lié à la boussole, ça c'est con ça. Bon après, elle nous le dit à elle, mais bon... Ugh!
jamais. Bah, y a un début à tout, hein. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Après, estime-toi heureux, t'auras plus besoin de te perdre maintenant. Ta première et dernière fois. Nickel. Mais je crois qu'on a fini, hein. Je crois qu'on a fini. Le feu, là, c'est le camp où on est. Je crois qu'on est passé à côté du camp. Ah, oui, 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 non, là. Pour retomber, là. Ouais, non, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous reste à faire. Après, on peut revenir sur les plaines d'Achille et finir la zone. J'étais en train de penser à ça, aussi. Par contre, il faudrait... Oh, putain. Il faudrait repartir en bateau. Il faudrait... Du coup, quand on a fini ça, il faudrait refaire le tour de la de l'île. Reprendre le bateau pour refaire encore le tour, parce que c'est de l'autre côté. C'est un peu la merde. Bon, on a fait pire. Wouh. Je me demande si maintenant on prend des dégâts quand on tombe du cheval. Enfin, pas quand on tombe du cheval, quand le cheval saute de trop haut. Parce que vu que nous, on prend pas de dégâts... Ça va vite, honnêtement. C'est moins d'une minute le trajet, quoi. Allez. Je crois qu'on on passe inaperçu avec notre licorne. Est-ce qu'il y a des dorés? L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Sans bec. Il faut que je sache qui s'amuse à faire ça. Bah viens. Veut attirer mon attention. Si tu sais ce qui se passe, mec. Ne compte pas sur ma vie.
Ah, c'est lui qui a maintenant notre prime. Je vais prendre plaisir à te tuer. On peut enchaîner 3 attaques. Ah, j'ai pas regardé mon adrénaline. Est-ce que ça... ça utilise pas une adrénaline à chaque fois, en fait, cette attaque avec la hache. Bon bah c'est bien, on a eu la prime et tout, et le mec était juste là. Enfin, c'était lui en fait qui a déclaré la prime. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Je vais remonter, Mistios. Parfait. Léo, tu vas où? Allez. Bon ben voilà, ça c'est fait. Très bien passé. D'être remboursé, Naval. Non, j'ai pas envie. Donc il y a ici, il faudrait retourner à notre bateau. Enfin, on peut la prendre. Si, bah, si on passe à côté de la quête, je la prends. On verra. Ça m'étonnerait. J'avoue que je te fais passer par des chemins à la con. Hein. Je reconnais. Mais bon, t'es une licorne, hein. Tu devrais même voler. Oh mon dieu. L'aurore est venue. Après, on a vu sur la map, il y avait un membre du cosmos. Donc on pourrait directement aller aux membres du cosmos en fait. Ah. On tombe mais on plus de dégâts. Bon ça c'est bien. On rend le cheval aussi invincible comme nous. C'est bien, hein. Il est heureux, le cheval. Allez, mec, on va se casser. Alors, laissez-moi regarder la carte. Ah non, il n'y a pas de mec du cosmos. Non, il y a ça, en fait. J'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait du cosmos. C'est pas là, le cosmos. En fait. Pas très embêtant en fait de jouer avec la dans la boussole maintenant. Vu qu'on a pris l'habitude et tout. Ouh, c'est un pirate ça. Sortez les avirons. Là, il y en a un deuxième. Prenez la voile. Ça m'embête pas honnêtement.
Allons-y. Préparez-vous au combat. Les dégâts qu'on s'est pris parce qu'ils ont tiré, sérieux. Mais tirez, bordel! Servez-vous du feu! Préparez vos armes! Mon dieu! Ouais, on a pris cher, j'ai plus trop l'habitude. Je sais pas, j'étais un peu nul. Après, c'était pas un petit bateau quand même. Hein. Je vois rien du tout, c'est bien. Non, là, je pouvais pas enchaîner. L'autre il veut pas m'aider. On peut le mec. Ah, c'est un gros bateau quand même. Faudrait peut-être que tu reviennes, gros. Non. Bon. Vite. A plus. Toujours le mec est sur le bateau. Augmentez la vitesse. Inversez la voile. Il va apparaître dans la cale, je suis sûr. Magique. On peut peut-être faire cela. Tout loupé. Pas mal, ça l'a pas mal. Waouh, comment vous voulez démonter ça, du coup. Bien joué.
Ah. Mauvais signe pour toi, mec. Bonne chance. Bonne chance. Repliez la voile. Marchez. Préparez-vous. Non, pas de ce côté. On va les incendier. Tirez vite. Quelque chose dans l'eau. On le rappelle. On vient de leur monter dessus. Hop. Esquive. En train de brûler. Et go, on y va. Ah, oh, on peut faire ça dans le bateau, quoi, ça tue. Faire ça sur les bateaux, on saute d'assez haut en fait. D'assez haut, pardon. Là, il y a le magicien qui est revenu sur le bateau. On se dérobe à la voile. Ah, le mec était resté sur l'autre qui est revenu. Est-ce qu'on peut faire celui-là? Et après on arrête quoi, non, il y en a d'autres. Allez, on va s'arrêter. À mon homme ! À pleine vitesse ! Moins vite les rames ! On va attendre ici, capitaine ! Ça marche. Vous pouvez investir dans une barque ? Non ? Toujours pas ? Ok. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien d'investir dans une barque. Bon, ben voilà. Ça va, on a fait deux combats, pas mal. L'avant-dernier était vraiment bien, genre on l'a foncé dedans. Au moment où ils avaient plus trop de vie, du coup, ça les a fracassés et on a pu les aborder directement. Ça, c'est ce qu'il faudrait. Tu connais cet endroit, Icaros ? C'est ici que Lycomède a précipité Thésée vers sa mort. D'accord. C'est ce qu'on devrait faire tout le temps, là, le fait de détruire. Enfin, bref. Belle grotte là. Évidemment, on a un coffre. Deux coffres. Ah non, c'est juste l'endroit en fait. On a un coffre sous l'eau, évidemment. Sûrement un camp là-bas. Un fort.
quoi ça, la glue. Ça marche. Ok. Allons faire ça. Ah, on peut se cacher dans les... J'ai vu le symbole de... Quand on est caché avec la... les algues, en fait. Sauvage. Ah, oh, on n'a pas trois trucs. C'était pas une flèche explosive. Je pensais que j'avais une flèche explosive. Putain, mais tire où c'est qu'on vise là. Ouais, le chien il a allumé ma torche, ma flèche pardon. Un peu partout. Pas honnêtement. Ah, par contre, elle mène où? Passer dessous, ok, ouais, on va monter. Enfin, plus ou moins en dessous. Ah, c'est de l'escalade là par contre, hein. Putain. Campement de Kimon. Ça va, c'est un petit campement. Personne d'intéressant dedans en plus. Ils ont quoi, un chien? Oh, y a un ours. En contrebas. Ça serait marrant de rencontrer d'autres assassins. Ça aurait été vraiment cool. Que des fois, genre, les camps soient attaqués par des assassins et tout, et nous, on arrive au mauvais moment. Hey, tu n'as pas le droit d'être ici, Mistios. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, on est bon. J'ai perdu.
Poison. J'aime pas le poison. Bah c'était pas mal, c'est joli cet enchaînement. Bon, casse-toi le chien. Allez, vous l'avez bien entraîné le chien, putain. Oh la vache. Quel chien de garde. Ouh. Dangereux le molosse. Hein. Dangereux le molosse. On va aller directement au port là. À moins qu'il y ait quelque chose autour. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a un petit camp là. Allez, ramène-toi. Hey, amenez-vous par ici. Oh la vache. Déjà, faudrait que t'arrives une fois. Bon, bah, c'est bon, soir. Ouh, hache en or. Tu m'as sauvé. Merci. Ah, on se casse. On a fini, hein. Enfin, c'était même pas peut-être un lieu, en fait. Je crois que c'est même pas un lieu. Non, c'est juste un petit camp à la con, ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de points. Donc là, c'est sympathique, le fait de pouvoir enchaîner. Mais j'ai pas trop compris pourquoi des fois on peut et des fois non. Je crois que c'est par rapport aux ennemis. Je crois que s'il y a plusieurs... Merde, pardon. S'il y a plusieurs ennemis, on peut taper tant qu'il y a des ennemis. Et qu'on a de l'adrénaline. J'avoue que c'est puissant, hein. Surtout si on met du feu. Enfin, moi j'ai dit hache en or, mais c'est le nom. Hein. Chasseur assassin. Ouais, c'est pas... Ah non, on n'a pas, pas de truc en violet. Un peu pourri l'équipement qu'on récupère là depuis quelques combats. Je sais pas regarder si ça me prenait un bout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Repère de pirates. Ah, si vous combattez, on y va. Hein. Et on vient aider. Je crois que c'est une chasseuse. Ouais. Ouais, tant qu'il y a quelqu'un debout en fait, on peut le faire. Il va me gaver, voilà. Ouais, par contre, attends, ouais, je peux pas faire le... Je
sais pas s'il est bon pour le piratage. Non, il est mort du feu. Quoique, non, il s'est relevé. Les pirates utilisent probablement ce fort comme vigie. Il a pas d'armes. Non, t'es nul, c'est con. Ça va toi? Je ne croyais plus à ma liberté. Je sais pas pourquoi elle était là, elle. Peut-être ouais, des trucs aléatoires quoi. Oh, le coffre est encore intact. Encore en vie, toi. On peut pas te parler. Tu parles à une personne dans un arbre, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire, moi? Ah, en contrebas, sûrement un truc. Ouais. J'avais pas vu qu'il y avait le contrebas. Ouais, non, je sais pas d'où elle vient, elle. Bah, vous voyez, je parlais de... du fait d'avoir des événements un peu aléatoires où les décans se font attaquer et nous, on arrive à ce moment-là. Bah, voilà. Là, c'est fun. Je pense pas que le casque soit mieux, même si c'est 30. Résistance à distance, dégâts assassins. Non, 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 non. Non, notre capuche là, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien, même. Alors, dans la baie du rocher, en haut du pic le plus élevé, regarde au sud pour voir. Ouais, pardon. Comme j'ai dit, on met déjà beaucoup de temps à se déplacer et tout ça, vu que je me téléporte pas à rien. On va pas commencer à faire des recherches comme ça. On devrait retourner à notre bateau. Faut pas prendre celui-là, c'est bête. Je commence à bien aimer la hache aussi, j'avoue. C'est juste que ça fait un peu tâche en fait pour nous d'utiliser la hache, ça n'a pas vraiment de sens. Yeah. Utiliser un bâton a plus de sens. Une grosse hache comme ça. Enfin, après les ennemis ils font pareil, hein. Ils sont pas en grosse armure non plus, mais bon pour moi dans ma tête, avoir une arme comme ça c'est quand on a une armure extrêmement lourde. C'est beau, hein, ces effets. Magnifique. On changera le cheval au prochain concours. Qu'on achète. Allez. On est là.
personne qui tend une échelle ou une corde ou un truc. Ça aussi, je veux bien qu'on soit agile, mais honnêtement, ça a pas trop de sens, quoi, que genre tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en branle de qu'on revienne, quoi. Enfin bref, ça me fait rire. Alors, ça veut dire quoi 30-30? C'est les niveaux, ça? 30-30, 30-30, 4-38. Ah oui, peut-être. Attique, 30-30. Ouais, moi, je voudrais bien venir là. Et faire Sotera. Là, on a Chaos aussi. Arpalos, c'est qui Arpalos? Dégâts de guerrier, c'est quoi ça? Botte d'immortel, hein? Chaos. Okitos le grand. Ou alors on va sur des petites îles. Elles ont l'air de notre niveau, certaines. On peut se faire une aventure île. On peut se faire des petites aventures île, genre Chaos, Delos, Iconos. Samos, Paros, Naxos, tout ça là. Xerifos, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. On peut se faire des petites aventures sur ça. Du coup, ça dure pas longtemps, j'imagine, pour faire le tour de l'île. C'est vrai que pour revenir, c'est un peu la galère. Ça, on l'a fait, c'est l'île avec la lance, là. Là, je crois. Il nous faudrait beaucoup de fragments, parce que nous on voudrait la lance niveau 5 à la limite. Parce que pour les niveaux 3, les habilités niveau 3 c'est niveau 5 de la lance, et nous on est à 2. Non, nous on est à 3. Ah ouais, y a pas vraiment trop de relief en plus, ça devrait être sympa. Les eaux sont dangereuses près de Chaos. Soyons prudents. Ah bon? Qu'arrive des cibles à nous attendre au fond de l'eau, j'imagine. Non, des pirates! Des nuées de pirates! Et c'est tout? T'es sérieux? Parce que là, je vois que des bateaux spartiates. Y'a pas de port? Ah si. Là! On peut repêcher ça! Ouais, bof. Ouais, on avait que des bateaux spartiates, hein. Zéro pirate. Île des pirates. Terre de pillage. Ah, peut-être sur l'île alors.
va faire ça. Ouais, peut-être sur l'île elle-même, c'est bourré de cons. Quoi ce bruit que j'entends? Ah. De rien. D'accord, super. D'accord. Ah, musique est sympa. Ah, quand même, c'est grand. C'est grand, grand, grand. Ça avait pas l'air. Ok, on a un forgeron. Ouais, ça va peut-être nous durer un petit moment au final. C'est les Spartiates qui défoncent les gens ? Pas l'île où ils avaient des esclaves, hein, les Spartiates, parce que les Spartiates avaient des esclaves. Ah, ils étaient surtout utilisés pour trimballer le matos en fait. Genre quand ils allaient en guerre, ils partaient avec des esclaves. Ah non, c'est Athènes et les Spartiates, je crois. Il veut se mêler à moi. Mais... Pourquoi tu m'attaques ? C'est bon ? Bon. Mais... Ton histoire s'achève ici. Oh non, pas besoin d'adrénaline. Il y a aussi le coup de pied spartiate, il y a écrit que ça tue pas. Le coup de pied spartiate ne tue pas. Non mais c'est des connards, en fait. D'accord, ils attaquent tout le monde. Donc on peut utiliser ça. Oh, on est presque 31. Mais bon, ça prend beaucoup de... d'habilité, ça fait pas vraiment mal, donc c'est beaucoup mieux ce qu'on fait avec les flèches là. Oh putain, j'ai eu peur, c'est l'aigle qui s'est posé sur ma main. Je pensais qu'un truc m'attaquait. Ah, le fun, hein.
Est-ce qu'on doit mettre une gravure à quelque chose qu'on a? Armure, je crois, non? Genre là, il manque. Non, là, il manque pas. Là, non. Des bottes. Bottes, elles ont déjà dégâts de feu. Dégâts à la lente, test de déplacement, charge de l'arc. Casse sur la spartiate, animaux. 1% à tous les dégâts, ça peut être pas mal. Cheval égyptien. Ah, 31, on va avoir un nouvel arc. Je dirais pas non. C'est juste de l'argent, juste des pièces. Dégâts de feu 16%. Tous les dégâts, dégâts, aptitude surpuissante. Guerrier, dégâts de feu. On va acheter ça. Massue lourde. On peut tester la massue lourde. Ça on a déjà. Tir de prédateur ou dévastateur, ouais, on peut augmenter les dégâts de ça. Plus 15% de dégâts de tir dans la tête. Ouais, non, on va prendre ça. Et pour la massue. C'est quoi ça? 8% de dégâts sur l'aptitude surpuissante. Je crois qu'on avait annoncé le truc d'Hadès. Cri de guerre d'Hadès, frappe héroïque. C'est quoi la frappe héroïque? Je me rappelle même plus. 25% de probabilité de crit deck. Aptitude frappe héroïque. C'est la flèche. Ah, on peut mettre dégâts de feu et accumulation. Non, on a toujours l'épée sur nous. Non, 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 j'ai rien. Bientôt, j'espère. Putain, tout a été brûlé ici. Quoi? Mais vous êtes qui? Merde, j'ai touché le gosse. J'avoue que c'est sympa ici. Toi? Non. On est avec Athènes. Mais tu casses-toi le chien. Arrêtez de me tirer dessus, bande de cons. Qu'est-ce que... Ah maintenant vous êtes méchant ! Putain, tu me fais chier. Toi aussi t'en veux ? Merde. Je suis avec ça depuis tout à l'heure.
Bon, vous avez fini là les cons, parce que là vous me faites chier. Qu'est-ce que vous avez tous à être méchant, pas m'apprécier. Sympa pourtant. C'est vrai qu'on se débrouille en combat. Ça, je sais pas ce que c'est là, de mettre des armures et des boucliers comme ça. C'est pour montrer que ça appartient à Sparte, cet endroit, c'est ça? Ah, quelqu'un qui s'est coursé par un sanglier. Ah bah oui, mais c'est sûr que maintenant on a... Oui, oui, oui. Il est un peu bizarre ce... cet endroit. C'est un peu étrange, je sais pas. Tout le monde se met sur la gueule. Hein, c'est... Pourquoi pas. C'est Lyon. Une sorte de fort. Bon, par où on commence? On va garder ce côté-là pour plus tard. Non, on va aller là. Par là. Ah, il y a un combat là-bas. Ah, il y avait un combat. C'est marrant que le monde comme ça continue à vivre. Hein. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ah, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Eh, hey, j'en sais rien, moi. Voilà. Putain, il y a du démembrement dans le jeu, il faut. Démembrement. Je sais pas ce que vous avez tous, hein, mais... Oh là là, putain de... Tellement simple de se... Chargez, chargez. Ah voilà, c'est ça que je veux. Ah, d'accord, là on peut pas... Je crois que celle-là qui arrête pas de parler, elle est en arrière. Dans l'eau peut-être. Faudrait que j'aille voir ce que l'autre il a drop quand même. Ouais, juste au cas où. Alors ces trucs de feu là, ils ont mal été faits quand même. Hein. Genre ça a allumé ma torche direct, enfin ma lampe. Pas ma torche, à chaque fois je dis torche. Ça a allumé ma flèche. Direct, ça m'a foutu le feu aussi direct, j'ai pas trop compris. C'est un peu relou. Hein.
Atelier. Il faut quand même une arme rapide, donc on va juste changer l'arme lourde. Ce l'autre elle est 26 quand même, c'est pas rien. C'est toujours bon. Alors une aptitude du coup. Allez, on va mettre le soin, je pense que c'est le plus intéressant pour le moment. Après il faudra remettre dans les dans la maîtrise de la discrétion. Là, c'est quoi? 50% de santé max et suppression des effets de feu et de poison. C'est bien ça. Tu peux me lâcher? D'accord, non. Oh, cool cette attaque. Dans une grotte. Trouver l'entrée, là peut-être. Pas du tout. Dans des chevaux. Non. Non, c'est encore un sanglier. Alors, elle est où là, l'entrée de cette grotte là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le truc relou quoi. D'accord, super les dégâts. Oh, on est sans déconner. C'est bourré de sangliers à la con ici. Là peut-être. Ah là. Parfait. Je sens qu'on va s'amuser ici. Kiffé. Ça doit faire des bons dégâts. Mon dieu, putain de merde. Qu'est-ce qu'ils font mal ces animaux sauvages? C'est surtout qu'ils sont trop rapides honnêtement.
sont vraiment méga rapides. Déméter. On est bon. Enfin, je crois. Oui, tu es l'alpha. On a cet endroit à faire. Non, c'est de ce côté-là. Là-bas. Ça marche. Donc, l'attaque de la masse, là, doit sûrement être la plus puissante, je pense. La hache... Ah, je l'ai eu. Là, je pense que c'est possiblement la meilleure, parce qu'on peut enchaîner les coups. Ça m'étonnerait que là, on puisse enchaîner, on va voir. Quand il y aura plusieurs ennemis. Ruine du nord-est. Violet dans le coffre. Pardon. Je vais t'égorger. Oh, ah si, si, on peut. Au secours, quelqu'un. Au secours, ça brûle. C'est un peu violent. Non mais c'est violent en fait, les armes lourdes, c'est débile comparé aux légères. Non mais ils ont abusé là sur la puissance du truc. Genre on peut enchaîner les coups comme ça. Genre tant qu'il y a un mec qui se relève, c'est bon quoi. Tu as la valeur des héros. Ah ouais. Non, je suis un peu deg en fait comparé aux autres. Alors à moins que Ah, peut-être que c'est mon habilité niveau 2 en fait qui fait ça. Peut-être qu'avec les lances et tout, je peux. Bah non, mais avec les épées, je pouvais pas. Avec l'épée, je pouvais pas. Bon, par contre, on a récupéré un bâton. Non, non, c'est une épée. Bah, du coup, on va mettre ça. Je pensais que c'était un bâton. Non, non, c'est bien, ok. Ah, la capuche de mercenaire, elle est cool. C'est un peu difficile de s'en séparer. C'est là-bas. Que je reteste l'épée là, si on peut enchaîner les trucs, parce que là c'est. Avance. Oh la pute quoi. Super. Non mais il y en a deux. Non mais ils vont me tuer hein.
sont dangereux, hein, ici, les machins. La cochère. Bon, ça va, c'est une ville sympa. Ils sont friendly, j'espère. Cible de choix, flèche destructrice. Mon intestin. Est-ce que vous avez un forgeron ici, vous m'étonnerez. Demeure de dirigeant. Repars dans l'autre sens. Ça marche. Personne d'intéressant. Très bien. Être un peu con là ce que je viens de faire. Regardez le buisson l'a mangé. Dangereux hein, les buissons. Personne avec mon truc. On va lui pareil au même. Il y a des civils. Monte pas, putain de connasse. Mais qui fait ce bruit ? Fais attention, l'arbre va te manger. L'arbre t'a mangé. Ce qu'on fait, on défonce les autres. Même si on doit combattre. Allez, go. Là, tu vas me voir quand même. Non, ok. Tu devais pas l'aimer, ton pote. Hein. Tu vas. Ah.
Niveau 32. Ouais, moi, c'est pas très excitant là. On a Harpalos qui est pas loin. On peut peut-être essayer de faire Harpalos maintenant. Ah, encore une fois. Hein. Dans une grotte. Comment. Genre là, un passage. Ça, sûrement. C'est ça. Ça marche. C'est pas très loin. J'ai bien vu le saut, putain. Ben, je voulais un forgeron pour mettre une gravure sur la nouvelle arme, la nouvelle épée qu'on a. Oh putain, cassez-vous les animaux. Cours, cours, cours. Il est où le lac ? C'est 32, mais ouais, non, ça a l'air pas mal, la casque violet de Spartiate. Ou de mercenaires, à chaque fois ils sont très bons. Ouais. Pas loin. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. On va peut-être se mettre au-dessus. Ouais, voilà. Bon, ils sont tous morts. Putain, mais même la projection, je crois. Elle fait énormément de dégâts. Ouais non, par contre, un contre un fou épée. Ah
Bah, de l'eau. Il fait tellement de feu que je vois rien du tout. Mais ça va, je sais. Il faut confirmer la. Le monde se portera mieux. Très bien. Je sais qu'il faut confirmer le kill à chaque fois, le jeu arrête de me ressortir ça, quoi. Ah, il y avait un camp de l'autre côté. D'accord, cool. Alors, on va voir ce qu'on a récupéré. Ce qui est con, c'est que c'est pas un casque à chaque fois. On a 3 déjà bottes, là. À part d'être un niveau de plus... Ça rajoute rien. Ah, c'est les immortels, c'est bien, mais bon. Faudrait à la limite avoir tout le set, quoi. Dégâts à l'épée, pour diminuer la moitié des dégâts. Dégâts à ça, c'est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout le casque. Fais voir les mercenaires. Les membres, pardon. Ah, on en a appris plus sur elle. Il y a un adepte sur l'île de Citer. Il faut aider les habitants. Enquêter sur l'indice pour découvrir l'identité de cet adepte. Adorateur de la lignée. Absent depuis longtemps. Ça, je t'absente. On a une petite île là. Enfin non, une petite... Non, c'est des temples en fait, j'ai envie. Je pensais que c'était un petit village, mais en fait c'est des temples. J'ai vu qu'il y avait une lionne. Oui, voilà. Casse-toi. J'ai envie de te combattre. Bah, honnêtement, ils auraient dû mettre des lions et des pumas et tout ça pour des membres du culte. Nettement plus dangereux. Tiens, essaye de me suivre. Acropole de Cartia. Permettez. C'est un peu bête ce système d'avoir mis des coffres comme ça et de voler. Parce que... Il y a tellement de choses à voler, on peut pas se permettre de le faire discrètement, sinon on n'arrête jamais, quoi. Sinon on passe 2 heures à ouvrir un coffre en fait. Parce que là, y a rien à faire, il y a juste un coffre. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que ça, on n'est plus, comment dire, il y a plus la sensibilité par rapport à au fait que c'est dangereux de faire les choses comme ça. Merde.
Donc je sais pas, je trouve ça un peu idiot en fait d'avoir mis des coffres comme ça à ouvrir et voler devant les gens quoi. Parce que même si on passe la nuit, enfin si on se met la nuit, je suis sûr qu'il y aura plein de gens. Hein. Donc bon. Je comprends pas le but de faire ça. À part constamment nous mettre une prime sur la tête et avoir des mercenaires qui me pourchassent en fait. C'est ça la récompense, c'est de me nuire à moi-même en fait. Et en plus il y a des endroits, il faut le faire. Pour gagner de l'expérience, pour genre avoir fini l'exploration du lieu. Quoi. Ah, vive l'exploration, c'est voler des coffres. La garde sera vigilante ici. Attends, peut-être que toi... Non. Non plus. D'où est-ce que ça vient, okay, ça? Vous pouvez tous mourir. Seulement leur tour en plus. Ah, on va tester l'attaque. Waouh, c'est nul. Je vais me faire tuer par les loups. Merci mon Dieu. Là, je pourrais lui sauter dessus. Après, je comprends qu'ils aient fait ce système où il faut vraiment être hors combat, mais... Oh la vache. Ah tiens, j'aurais pu sauter et ralentir le temps, faire stylé. Genre, j'aurais pu faire ça. Waouh. Bah. Ça redescend. Bon, l'autre, elle a volé où là? Des dingues, je vois rien du tout. Voilà. Aïe aïe aïe. Non, bah cette attaque elle est nulle. C'est un peu con. Moi qui ai eu un problème de terrain peut-être, parce que bon, j'étais plus en hauteur sur, parce que je suis tombé du coup sur le tronc d'arbre là. Donc, est-ce qu'il y avait un truc avec ça quoi? Du coup, on a fait le tour. Donc faut aller au centre. On va aller voir qui est ce nouveau combattant là. Oh, oh, ça va être sympa ça. Oh, il est bon en plus. Elle est bonne, Climène, la belle justice. Il n'existait rien de plus pur et beau que la justice, c'est la raison pour laquelle elle est devenue mercenaire, une belle et pure justice rendue par une belle et pure femme. Mais en dépit de sa pureté, justice était réputée cruelle. Voilà, loup. T'as des objets de merde, mais on va te prendre.
Je me demande si quand on recrute des gens comme ça avec des animaux, est-ce qu'ils ont des animaux sur le bateau? Que vu que c'est vraiment les gens qu'on recrute en fait, les lieutenants. C'est vraiment cela. Et aussi sur le bateau, je voudrais bien avoir leur nom, hein, parce que leur... leur avatar, c'est tous les mêmes là. Il y en a 4 différents, basta. Ton loup est pas le bienvenu par contre à bord. L'archer est par ici. Ouais, t'es seul. Oh là là, putain de système de merde. D'accord, ok, ça va, j'ai compris. Merde, c'est pas ça, c'est du... Je vais sortir les flèches de feu pour finir le feu. Esquive, bordel. La plus feu. Ah, c'est parce qu'elle est toujours, elle a toujours le debuff du feu en fait. Mais vu qu'on l'a empoisonné, c'est le poison qui se monte quoi. Le jeu il peut même pas gérer deux debuffs quoi, enfin afficher deux debuffs. Je dis quoi. Je crois. Cherche des marins, et je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. En nature. Alors, fais-moi rêver. Boost à vitesse, mais bien chéré. 16% santé de tous les lieutenants, dégâts de flèche. Ils sont un peu pourris, en fait. $30,000 d'argent, oh la vache, ça coûte cher. Ça, on peut se permettre. Après, on n'a plus de tablettes. L'intégrité, la défense, c'est utile. Je prendrai le temps de regarder tous les moments de... Tous les lieutenants qu'on a, parce qu'on en a beaucoup. Il me faut un peu de temps pour que je regarde bien ce que je. Allez.
Le clou du spectacle. Nouveau dirigeant. Ok, non. Le dirigeant non plus, ses gardes du corps non plus, je crois. On n'a pas assez, on n'est pas en affaibli, donc du coup il y a plein de gardes du corps. Mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Bon, bah tout le monde va mourir. Bon, ça fait beaucoup de monde. Hein. Et ah putain, il nous manque pas beaucoup. Ah non, peut-être que si on baisse un peu, on devrait. Cet endroit sera en alerte. On devrait pouvoir se débarrasser des gardes du corps en fait facilement. Par contre, il me fait chier. Il faut la torche aussi. Elle est où la torche? Elle est là-bas. Putain, elle est loin. Nickel. Torche, t'es perdu du. On a deux là. Quel. C'est pas grave. Vas-y, regarde la torche, c'est bien. Parce qu'on n'a pas programmé d'animation pour tuer par-dessus les petites rambardes. Hein. Donc c'est le joueur qui doit se faire chier. Top, 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 top. D'accord, c'est pas du tout ça. Putain, connasse, c'est pas de ce côté, bordel. L'autre côté que je voulais me mettre. Voilà, ferme ta bouche. Va t'amuser avec les poissons. En théorie, le mec devrait plus trop avoir de garde du corps bientôt. Enfin, après, on les combattra, hein, c'est pas grave. Entre
pas effectué flèche destructrice. Oh, 34k d'expérience. Faut aller se faire lui le mec là-bas. Il y en a deux. Quoique non, lui doit être solo. Ah, le coup de pied de... Oh merde. Ciao. Ok, on peut faire les deux en même temps, ça va. C'est marrant. Tu te bats comme un enfant. Merde. Je vois rien. On va s'allumer un peu. Je vais pas. Allez, animation. Oh. Quel bordel, mais c'était marrant. Non, c'est marrant. Il y en a un autre. Ah, bah oui, c'est déjà. Ça va la tâche de sang? Ça t'a pas mis la puce à l'oreille, non? Ok, ça marche. Toi non plus. Ça va, ils sont marrants, les mecs. Là, ce qu'on peut faire, c'est... Il y a sûrement trop de vie. Ouais. On peut faire ça. Dans l'eau. Bon, du coup, il crève pas. Putain de merde. Les dégâts, l'enchaînement de débiles.
Ah là c'est trop... Non, il perd pas. Il perd pas de vie. Je comprends rien. Il y en a qui se noient, il y en a qui se noient pas. Ça a aucun sens. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. On a vu qu'il y en a qui s'étaient noyés direct. Genre les mercenaires, quand ils sont tombés dans l'eau, il y en a un qui était mort direct. J'allais le recruter en plus. Le mec est directement mort. Il y en a qui perdaient de la vie petit à petit, je suis quasiment sûr. Et la plupart du temps, bah, il se passe ça, c'est-à-dire rien. Ça n'a pas de sens. On peut aller tuer le reste, que là c'est le dirigeant. Ah merde. Ah j'aurais pu... Je peux pas s'agripper dans l'arbre. Ah, je pourrais me téléporter sur lui. Non, c'est bon. Ça va, ça c'est marrant. Merde. Intéressant. Il y a quelqu'un ? Les humeurs me montent à la tête. Nickel, nickel, nickel. Ça c'est curieux. Ça c'est curieux, j'avoue, c'est complètement curieux ça, ce qui se passe. Comme si c'est ton pote s'était fait poignarder la tête. Vu quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est quand qu'elle peut pas faire des glissades? Lui il va voir le corps, mais c'est pas grave. Non, t'en branles. Tu t'en branles complètement. Ah si, non. Ah non, il va le jeter. Ah, tu t'en branles un peu quand même. Cette attaque, elle est horrible. Ils esquivent. Tu vas mourir. Voilà. Blablabla. Cette attaque, elle est horrible. Ce qu'ils font, ils font une esquive. Et après, ils tapent au moins deux fois avec la lance en tournoyant, là. Et c'est des attaques rouges, en plus. Je crois que les deux attaques de lance, c'est attaque rouge aussi. C'est très étrange.
Bah, c'est très dangereux surtout. Oh, toi on peut rien faire, c'est cool. Très bien. Bien joué le coup de la torche. Ah, il a perdu sa... Ah non, ils sont là. Je vais voir si on peut le faire 50 fois là. D'accord. On peut les enchaîner, s'il te plaît? Merci. Ah, parce qu'ils ont un bouclier. On va avoir un problème quand même. Oh, on est dans un cul-de-sac, cul-de-sac. J'arrête. Non, on est arrivé à la fin de notre épisode et puis c'est... là c'était de la merde. C'était de la merde. Là je me suis fait niquer par le jeu parce que le jeu il fait de la merde. Là. Voilà, genre elle a pris la torche au lieu du cadavre. Il y a tout à refaire. Il y a complètement tout à refaire. Donc on s'arrêtait là. On va s'arrêter là. Ouais, c'était bien. C'est vraiment bien. Débile. Complètement débile. Crever à cause du jeu qui fait de la merde parce que les contrôles sont aléatoires. C'est contrôle aléatoire. C'est le truc que je déteste au monde quoi, dans les jeux vidéo. C'est quand tu peux pas contrôler, tu peux pas bien contrôler ton perso. C'est les gens, ça, les devs savent pas faire des contrôles. C'est bien. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.